fin du match, tout le monde a un peu élevé son niveau et puis c'est à celui qui craque le premier. Et c'est nous qui avons craqué, c'est simple que ça. Voilà, le match c'est 40 minutes et puis il fallait savoir que fallait être sûr qu'ils allaient avoir une réaction. C'est des joueurs qui sont forts, qui sont en droit. Et voilà, ils l'ont montré aujourd'hui et puis ça s'est joué sur des détails en fin de match et puis, le match n'a pas tourné en notre faveur. Si, si, il y a un petit peu. Si, si, vu comment on l'a géré, c'est un peu manque de lucidité, ça c'est clair. Maintenant, on ne peut pas s'arrêter sur ça. Et puis, on a notre match à Charleroi, ce qui est d'autant plus important. Et il va falloir relever la tête très vite parce que ça va être difficile aussi de gagner la main. Ça, c'est parti du match jouable. Maintenant, on a perdu. Donc, il ne faut pas se lamenter, il faut relever la tête et partir de l'avant. Ouais, forcément. C'est une qualité depuis l'année dernière, au moins. Depuis 2 ans maintenant, on sait que c'est des mecs qui sont à droite, Harris, McAllarney, Somerville, c'est des joueurs qui sont à droite, qui sont bons. Donc voilà, ils ont fait ce qu'ils savaient faire et nous, on n'a pas su les contrer en fin de match. Il ne fallait pas laisser leurs extérieurs prendre confiance, il fallait leur mettre une grosse pression, il fallait les repousser, il fallait passer au-dessus des écrans, etc. Là, tout ce qu'on n'a pas vu sur le début de match. Et dans ce type de rencontre, je pense que la confiance qu'ils prennent tout de suite sur ce type de tir, là on n'a pas fait le job sur ce qu'on devait faire par rapport à cette équipe d'Orléans. Voilà, et puis après, notre jeu offensif, il est proche du néant en deuxième mi-temps, complètement. Parce que on prend la balle, on joue tout seul, on essaye de sauver la patrie, ou on essaye de, je sais pas. Mais on pose plus les écrans, on respecte plus les timings dans les systèmes, on pose plus, on n'utilise rien. Donc quand tu joues comme ça, c'est compliqué. Je te dis, y a Orléans qui défend bien, mais il y a nous aussi qui respectons pas les timings, les systèmes. Il y a des périodes où on fait que shooter à 3 points sans chercher autre chose. Donc c'est compliqué. On n'appuie pas intérieur au moment où on a nos deux grands sur le terrain. Bon, même s'il y a une faute offensive qui est sifflée à Alain alors qu'il a bien pris sa position sur un système, mais on ne s'est pas servi de nos grands. Donc aucune alternance dans le jeu. Et puis après, dans les systèmes, à part un joueur qui est bien exécuté, où Caron va trouver, je crois, c'est Gershon sous le cercle. On trouve rien parce qu'on fait pas les choses correctement. Bon, on perd des balles, on fait une mauvaise communication en défense qui nous coûte 2 points de Troutman. Voilà, on perd les balles sur remise en jeu. C'est des choses qu'on voyait plus vraiment depuis quelque temps. Enfin, ouais, on a été fébrile. Et puis je te dis, je pense que on n'a pas su se remettre bien dans le bas dans le début du troisième. Voilà, et on les a laissés revenir. Et puis on fait les choses sans conviction en attaque, c'est ce que je t'ai dit, ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment un match d'attaque perdu en attaque aujourd'hui. On perd en attaque et puis on le perd défensivement sur quand tu prends un 18-2 en l'espace de 8 minutes entre le premier et le troisième, c'est quand même 16 points que tu prends en 8 minutes. Hein. C'est une équipe, de toute façon, quand elle gagne ses matchs, elle shoot à ces pourcentages-là à 3 points. Donc, on le savait, c'est pour ça qu'il fallait d'entrée de jeu être très fort sur leurs extérieurs. Ouais, t'as Gershon qui a été travaillant et qui a bien exploité les quelques ballons qu'il a eus. Voilà, on aurait peut-être dû plus s'appuyer là-dessus. Et puis surtout quand on rentre avec les deux grands sur l'entame de troisième carton, c'est que là qu'on doit arriver à les trouver et qu'eux doivent nous servir de point de fixation à l'intérieur. De toute façon, écoute, à un moment donné, on n'est pas sur la dernière journée ou l'avant-dernière journée où tu dois absolument regarder les résultats des uns et des autres. Là, il reste des matchs, donc j'ai pas envie de regarder ce que font les autres. C'est à nous de gagner les matchs. C'est à nous de faire en sorte de gagner et de faire les choses sur le terrain. Après, l'équipe a été modifiée. C'est beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui font que qu'au début ça a peut-être été difficile. Maintenant, c'est vrai que ce soir, elle est dure à avaler.